tous, vous l'avez entendu, malheureusement, le confinement va encore durer quelques temps. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit cours sur les percussions. Donc on va travailler ensemble un petit peu de renforcement, un petit peu de percussion, des poings, des pieds. Voilà, donc j'espère que ce cours vous plaira. Et on va s'échauffer. On va commencer par le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À gauche. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Très bien. Les épaules. 1, 2, 7, 9, 10, 11. Nico, yod, dans l'autre sens, Anna, Paul, et, ne, Nasso, Nisso, Nico, yod, attendu, Anna, Paul, c'est, ne, Nasso, Nisso, Nico, yod, dans l'autre sens, Anna, Paul, c'est, ne, Nasso, Nisso, Nico, yod, main sur la poitrine, Anna, Paul, c'est, ne, Nasso, Nisso, Nico, yod, les coudes, na, tout, c'est, ne, basso, so, Nico, yod, les poignets, na, tout, c'est, ne, basso, iso, Nico, yod, dans le sens, na, tout, c'est, ne, basso, so, Nico, yod, secouez, na, tout, c'est, ne, basso, so, Nico, yod, ok, les claques, na, tout, c'est, ne, basso, iso, Nico, yod. On met ça les bras, Anna, tout, c'est, ne, basso, iso, Nico, yod. Très, sur les côtés, Anna, tout, c'est, ne, basso, yoso, Ego, yod, très bien. Les hanches, rotation, na, tol, se, ne. Dans l'autre sens, na, tol, se, ne. Genou, na, tol, se, ne. Daso, miso, ego, yod. Très bien. Ok, on sautille un peu. Les genoux. Tête à l'enfesse. Ok, très bien. Allez, position de pompe. On lève une jambe. Je vais peut-être le faire sur le côté. Ici. Et on alterne. Le pied ne pose pas par terre. On en fait une vingtaine. On tire bien avec les abdos. Ok. On respire. Ici, on va se mettre en position de pompe. On va lever le genou sur le côté. Et on alterne à chaque fois. On va le faire 20 fois. On a 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, se, ne, daso, yoso, igo, yodol, aop, yol. Ok, on se relève. On souffle, on marche s'il faut.
Ça doit commencer à chauffer un peu. Moi, c'est le cas. Allez, position de pompe. On va en faire 20. Ok, voilà. Tour. C'est. Ne. De so. Yo so. Nigo. Yodol. Hop. Yol. Na. Tour. C'est. Ne. De so. Yo so. Nigo. Yodol. Hop. Yol. Très bien. On se lève, on marche, on souffle. Détends les bras. Très bien. Mais comme ceci, on va fléchir à droite, à gauche. Ok. Donc on fait ça pendant une trentaine de secondes. Voyez, on alterne. À gauche, à droite. À gauche, à droite. On fléchit bien. Pour récupérer. Très bien. On coupe les jambes. Ici, on monte tranquillement le genou. Rotation. Ok. On a la visite de mon chat. Très, on sera en position de garde. Ici, on va commencer tout simplement par double coup de poing. 1, 2, et on revient bien en position de garde. D'accord ? Main ouverte ici, un pied devant l'autre. D'accord ? Les appuis, vous voyez, je ne suis pas trop écarté. Je n'ai pas non plus une garde avec un pied derrière l'autre où je danse mon espacement des épaules. Poids sur la jambe avant ici. Je monte mes deux bras. Hauteur du visage, en dessous c'est trop bas, au-dessus c'est trop haut, hauteur du visage. D'accord, et je vais armer mes coups de poing, position de garde. Ok, et je reviens systématiquement au visage. Allez, c'est parti, on se met en position. Garde droite. Allez, voilà. Toul. C'est. Né. Basso, rentrez bien le menton. Iso, Nigo, Yodol, Ao, Yol. Dans l'autre garde, même chose. J'ai bien mes bras en haut, garde gauche ici. Ils reviennent à chaque fois. Position initiale. D'accord. Allez, c'est parti. Ana, Toul, Se, Ne. Basso, rentrez bien le menton. Iso, Nigo, Yodol, Ao, Yol. Ok, relaxez. Très bien. Crochet, même chose. Je en garde. 1, 2. Ok, voilà. Cool. C'est, né, basso, yonso, nigo,
Yodel. Changer de garde, même chose. Voilà. Toul. Serré. Né. Dato. Yosor. Igor. Yodel. Très chaud, respirez. De garde, uppercut. Là c'est pareil, l'uppercut c'est pas l'uppercut de Lucky Luke. Quand on est en position de garde, on descend légèrement le coude et on remonte. D'accord, bon. Pas très large, hein, pas ça. Allez, on garde. Ici, voilà. Toul. C'est. Né. Nasso. Yosso. Yigo. Yodel, changer de garde, même chose. Voilà. Toul. C'est. Né. Nasso. Yosso. Yigo. Yodel. Très bien, maintenant ici, les trois ensemble. 1, 2, 3. Ok? On montre direct bras avant, percute bras arrière, crochet bras avant. Ok, donc ça donne ça. 1, 2, 3. Allez, donc je compte, on va jusqu'à 8 et on change de garde. Voilà, revenez bien en garde. Toul. C'est. Né. Dasso. Yosso. Ibo, yodel, changer de garde, même chose, voilà, toul, c'est, né, nasso, yosso, ibo, yodel, très, relaxé. Ici, 1, 2, 3, coup de genou, donc on imagine la directe, direct, on attrape et on lance le genou pour percuter en coup de genou. Ok, première garde, voilà, attrapé, toul, c'est, mais, Dasso, Yosso, Igo, Yodel. Changer de garde, même chose, 1, 2, 3. Avancez bien la hanche sur le coup de genou. On imagine presque qu'on vient enfoncer quelque chose. Allez, on a. Toul. C'est. Né. Dasso. Yosso. Igo. Yodel. Très bien, soufflez. Ici, position de garde, patte de chat, crochet, crochet. D'accord, c'est un exercice que je fais faire aux enfants. Donc, je bloque un direct, je bloque un second direct, j'enchaîne par des crochets. D'accord, c'est deux trajectoires. Je bloque sur quelque chose qui vient à l'intérieur et je frappe à l'extérieur. Ok, allez, voilà. Revenez bien en garde à chaque fois. Toul, c'est, né, dasso, yosso, igo, yodel. Même chose de l'autre garde. Je bloque, crochet, crochet. Ok, Anna. Toul, c'est, né. Dasso, yosso, igo,
Yodel. Ok, vous avez vu sur les blocages, je ne fais pas des grands blocages ou des grands blocages. Je fais juste ce qu'il faut. Ok, tout simplement. Ça, c'est important de ne pas faire des gestes trop amples. Sinon, on perd en vitesse. Ok. Donc, on a fait les attaques qui venaient sur en trajectoire directe. On va faire maintenant le complémentaire, c'est-à-dire je vais bloquer des attaques qui viendraient sur l'extérieur, donc typiquement des crochets, des claques, et je vais riposter à l'intérieur avec des directs. Ok, c'est parti, je montre. Donc je bloque, crochet, crochet, direct, direct. Ok, je remontre. 1, 2, on peut commencer dans le sens qu'on veut. D'accord? Allez, c'est parti. Hammer. Toul. C'est. Ne. Daso. Niso. Nigo. Yodel. Changer de garde, même chose. 1, 2, 3, 4. Rentrez bien la tête hein, dans les épaules. Allez, c'est parti. On a. Toul. C'est. Ne. Daso. Iso. Igo. Yodel. Très bien. Je relaxe les épaules. Très bien. Je vais faire une pause boisson. Bon, j'ai choisi des enchaînements qu'on peut faire dans un espace relativement réduit. Vous voyez, bon, moi j'ai la place hein, dans mon sous-sol, mais on peut faire ça dans un carré de tapis. Hein. Donc, c'est ça qui est bien avec ce type d'enchaînement. Ça permet de faire un peu travailler le corps, le cardio, les bras. Pour essayer de boxer bien détendu. Mais ça fait tout travailler, les appuis aussi. Les jambes, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va enchaîner. On va commencer à mixer du pied, enfin des poings avec des pieds, d'accord? Donc tout simplement, premier enchaînement facile. Je suis en garde, d'accord? On va mixer 1, 2, 3, 4 et 5. Abchagi, ok? Donc je remonte ici. Je bloque, direct, direct, je reviens en garde, une fois que je suis en garde, hop, hop, chagui, donc coup de pied de face, d'accord. Allez, on en fait 8 aussi, je bloque, 1, 2, 3, ok, voilà, tour, c'est... Ne. Daso. Yoso. Igo. Yodel. Changer de garde. Donc là, c'est pareil. Je bloque. 1, 2 et 3. Ok. Allez, on a. Roule. Ne daso yoso igo yodol. Très bien, chaud. Respirez. Enchaînement maintenant, regardez. 1, 2, 3, 4. On avance et ok. Je refais doucement. 1, 2, 3. Et je tape en bas. Tout simple. Deux coups de pied.
1 de face pour arrêter. Imaginez là quelqu'un vient sur vous. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Allez, je recommence une dernière fois. J'arrête, je bloque. Un point arrière, un point avant. Tirez. En même temps que vous tirez, ça lance le kick jambe arrière. Ok? Allez, on est parti. 8 d'un côté, 8 de l'autre. Nous avons bien les bras en haut, la tête rentrée, comme d'habitude. Allez, avant. Tirez. Pull. C'est. Nez. Dasso. Yosso. Igo. Yodel. Ok. Même chose de l'autre côté. Donc, jambes avant ici. 1, 2, 3. Tirez. Low kick. Ok. Allez, on a. Toul. C'est. Né. Dasso. Yosso. Igo. Yodel. Allez, je vais respirer. Ok, ici, je suis en garde toujours. Je vais bloquer. Contre et main ouverte. D'accord, je refais blocage d'un crochet. Je riposte même main. Paume ouverte au menton. Uppercut. Et Samam Kaki. D'accord, je refais. Je bloque, je contre. Uppercut. Samam Kaki. Ok. Donc là, on va faire garde droite. Ici. Je bloque. 1, 2 et 3. Allez, 8 fois. 8 fois, pardon. Ok, voilà. Toul. C'est. Né. Dasso. Yosso. Igo. Yodel. Changer de garde. Ici, donc c'est la même chose. Je bloque. Je contre à la mâchoire. Uppercut. Puis arrière, viens faire ça, mon kaki. Et je contre. Anna. Toul. C'est. Né. Dasso, Yosso, Igo, Yodel. Ok, chaud, respirez. Garde neutre ici. Regardez ce qu'on va faire. 1, 2. D'accord? Donc ici, on bloque en cercle, on revient et revers du point. D'accord? On va le faire relâcher. Ici. Ok, je remonte. 1, 2. On laisse passer. Ok? Allez, on a. J'avance. Regardez, je suis position neutre. J'avance sur mon cercle. Pour être à distance et je contre. Ok, voilà.
épaules. C'est mais daso yoso ibo yodel. Même chose de l'autre côté. Et ana tool. Et ne daso yoso ibo yodel. Très chaud. Et là. Ok, ici, d'accord, donc on va faire stop, stop avec la main avant, d'accord, on enchaîne directement coup de coude. Je me remets en position, donc un stop, j'avance bien l'épaule pour avoir le maximum de distance, d'accord, vous avez vu aussi mon déplacement, un, j'ai rentré un petit peu le pied pour être ici, pour avoir plus d'allonge, ici, regardez, je protège aussi mes parties et je change après directement. 1, 2. Et vu mon corps, donc là je suis sur le côté carrément. Ici je déplace mon pied, je fais une légèrement translation vers l'avant et je donne le coup de coude. Allez, voilà. Tout. C'est. Mais. Daso, yoso, igo, yodon. Ok, même chose de l'autre côté. Si, on a un, tout, c'est, ne, daso, yoso, igo, yodon. Très chaud, respirez. Petite pause boisson. Ok, dernier enchaînement pour cette troisième vidéo de spécial confinement. On va faire un petit peu plus compliqué. Donc on va imaginer une situation où quelqu'un serait un boxeur, d'accord, et vous enverrez direct. Donc là, j'ai fait la deuxième vidéo sur les blocages. Je vous ai dit, sur une attaque directe, on essaie de sortir de l'axe. Oui, c'est la théorie. Donc ça marche très bien de sortir de l'axe, mais quelquefois, on n'a pas toujours le temps, surtout si ça enchaîne très vite. Donc là, l'idée, je l'ai déjà expliqué plein de fois en cours, on est en garde, on a déjà accepté le combat, vu que la personne est belliqueuse en face de nous, c'est un boxeur, on a à peu près identifié, d'accord, donc on va monter les mains, on est déjà en garde, on n'est plus du tout en garde facile, on est en mode j'ai accepté le combat, quand on garde les mains ouvertes pour pouvoir saisir éventuellement. Ok, je suis ici en garde, donc la personne envoie direct, en bras avant, bras arrière, le bras avant est très rapide, donc on n'a pas forcément le temps de sortir sur l'extérieur. On ne sait pas en plus ce qui va arriver ensuite. Donc en fait, la première, on va l'accepter. D'accord ? Vous avez vu, j'ai légèrement reculé et j'ai fait monton anmaki pour m'aider. Ok ? Donc 1, 2, blocage. On l'a fait plein de fois en cours. Je vous montre. 1, 2. Ici, donc le bras qui est au visage, on va l'envoyer. On va envoyer le deuxième. D'accord ? Ici, on va tirer, et on va envoyer middle kick ou high kick, comme vous le sentez, peu importe. Bonjour, donc je bloque, direct, et là je tire, et j'envoie le kick, d'accord, on peut envoyer le kick passant comme je viens de faire,
ou le kick bien propre. Ici, 1, 2, pardon. 1, 2, 3, 4. Bon, ok. Peu importe, hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le faire passant. C'est des reliquats de mon ancienne pratique. Ok, on a... Cool. C'est... Né... D'arrache-fort. Yo-fort. Igo. Yodol. Ok. Même chose sur la garde inversée. D'accord. Donc je bloque, je bloque. 1, 2 et 3. Encore. Donc je bloque, je bloque. Direct. Direct. Tirez. Prends. Et circulaire. Allez. Première. Première, ça va faire une série de 8. Ok. On a. Tour. C'est. Mais. D'assaut. Yosso. Igo. Yodol. Ok, cool. Respirez. Dans quelques étirements pour terminer. Ok, ici. Changer. Les bras. Alors je suis conscient que ça vaut pas un cours en face à face, hein, mais malheureusement on n'a pas le choix. Je suis pas certain qu'on puisse se reprendre cette année, donc on verra. Les annonces de notre président ont l'air de dire que toutes les activités qui étaient des activités de rassemblement, qu'il a parlé des restaurants, tout ça, des bars, machin. Mais je ne sais pas s'il fallait comprendre aussi les activités sportives. Je pense malheureusement que oui. Et du coup, il avait plutôt énoncé juillet. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas et qu'on pourra reprendre avant. Malheureusement, je ne contrôle rien. Allez, on descend ici. On pose les mains par terre. On respire bien. Fléchis les genoux, on remonte, on repousse avec la hanche. Voilà, ici sur le côté, doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on descend, on papillonne. Pensez à faire un peu d'exercice physique, des étirements, hein, c'est important, surtout que sans doute vous restez un peu plus inactif peut-être que dans votre vie classique. Des étirements, le dos, le cou, les jambes. Ok, dans les jambes, ici on attrape. Forcez pas, vous en faites un petit peu de temps en temps. À respirer, on récupère tranquillement. Bon, sur cette série, il y a le son parce que j'ai pris avec mon téléphone. J'ai vu qu'avec la GoPro, c'était bien, mais on n'entendait rien. Donc, c'est quand même moins bien. Hein.
le ressent, l'image. Voilà, attendez. Ok. Ici. Comme ceci. On va tendre les bras, on va essayer de poser les fesses sur les talons. D'accord, et on va chercher loin devant avec les bras. Lâche, près. Ici, on positionne les pieds derrière, d'accord. On prend les jambes, on pose comme ça, on va poser les mains ici. Et on va pousser avec les mains, on fait la position du cobra. Ok, on lâche, on repasse ici. Et on repart. Très bien, chaud. Ok. Je vais conclure ce cours avec ça. Voilà, mais prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère, du moins avant septembre. Au revoir à tous.